Aurélie, le 18 octobre dernier, vous avez publié un message sur Facebook. Le récit est dur, vous aviez entre 3 et 4 ans. Est-ce que vous voulez en parler? Oui. J'ai subi du harcèlement sexuel par un autre enfant. Alors on en parle très peu, du harcèlement chez les petits, par d'autres petits. Voilà, j'ai eu un petit garçon qui m'a obligé à porter des robes, sinon il me cassait la gueule. Et puis qui m'a fait subir des attouchements devant d'autres garçons à toutes les récréations. Voilà, donc je me cachais, j'ai fui l'école maternelle le plus que je pouvais. J'étais incapable d'en parler à mes parents parce que la honte, c'est terrible. Et le sentiment que les adultes en plus ne nous comprennent pas et ne s'imaginent pas la violence qu'il y a dans les petites classes. Voilà, j'ai hésité à témoigner et puis je pense que le nombre compte, que les voix qui s'élèvent nombreuses sont importantes. C'est ce qui se passe qui vous a poussé à témoigner? Oui, parce que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire dès la toute petite enfance. On parle des lycées, on parle des collèges. Je pense que tout petit, en fait, il est important que les garçons prennent conscience que leur force physique ne sert pas à intimider. Physiquement ou à faire des démonstrations comme ça ou je sais pas très bien, ils ont dû certainement vivre des choses terribles pour faire subir ça aux petites filles, mais voilà, il faut je pense enseigner le respect tout petit. Et pour